Rue Berbizet, rue Sainte-Anne, rue Charrue. Dans ces trois rues dijonnaises, de nombreuses vitrines sont endommagées ou remplacées par des panneaux de contreplaqué. Place des Cordeliers, ce magasin de fleurs, lui, est intact et pour cause. J'ai choisi de fermer le magasin l'après-midi, alors que je devais travailler toute la journée, faire un effort, étant donné que c'est un samedi. Et comme je travaille toute seule et que je savais qu'après sur la place, il n'y aurait plus du tout personne, je me suis dit, c'est pas la peine de prendre de risques, quoi. Hier, en fin d'après-midi, rue de la Liberté, environ 200 personnes se rassemblent. Elles sont là pour protester après la mort du militant écologiste Rémi Fraisse, tué dans le Tarn par une grenade offensive tirée par un gendarme. La tonalité du rassemblement est clairement anti-police. Entre le monde que nous voulons et le leur, il y aura toujours la police. Les organisateurs avaient demandé de venir casquer et on avait bien vu et entendu les slogans de la précédente manifestation qui laissaient présager qu'il y avait une volonté de dégradation et de violence. Au départ, l'appel à porter un casque était symbolique, censé illustrer la nécessité de se protéger de la police. Rapidement toutefois, une cinquantaine de personnes commencent à taguer et à détruire des vitrines. Certains quittent alors la manifestation. Nous avons constaté au bout d'un certain temps que le déroulement du défilé ne correspondait pas à nos modèles d'action à nous. Et donc nous nous sommes retirés de la manifestation au bout de quelques temps. Pendant environ une heure, des groupes très mobiles et très organisés passent à l'action, utilisant banderoles et fumigènes pour se dissimuler pendant les dégradations. Ce matin, lors d'une conférence de presse, le préfet a parlé de guérilla urbaine. Selon lui, ces groupes auraient même coupé les caméras de vidéosurveillance. Le préfet a également répondu aux critiques sur la supposée inaction des policiers. La police n'est pas restée inactive. Simplement, j'ai eu le souci d'éviter des heurts qui auraient pu être extrêmement graves. Je vous renvoie aux images de Nantes et de Rennes. Et vous voyez que tirer des lacrymogènes à 5h du soir dans la rue de la Liberté, ça aurait tout simplement été impossible. La police dispersera finalement les casseurs sans faire courir de risque aux passants. Il était impossible, dira le préfet, de protéger tous les magasins vu la configuration des rues. Sur place et jusque tard dans la nuit, les services municipaux n'ont pas ménagé leur peine pour nettoyer et sécuriser les lieux. Aucun blessé n'est à déplorer.